Chip, les petits amis, donc nous voilà pour une petite vidéo sur FF7. Baissez le son, parce que je vais gueuler. Non, excuse-moi. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, hein. Ouais. Non, sans déconner, ça fait longtemps, donc je sais plus comment on fait. Je sais plus. Donc, en fait, on est au tout début, là, c'est ça? Lol. Bug. On doit être au tout début, d'accord. Ok, donc oui, notre but c'était d'aller tout au fond. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, ma foi, directement. Soit on passe à droite comme des porcs. On passe à gauche comme des porcs. On passe tout droit comme des porcs. Quoi qu'il arrive, on va de toute façon passer comme des porcs. Oh, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Gauche, droite? J'irais bien droite. Ouais, allez. On est des malades, on passe à droite. C'est parti. Donc, voilà, oui, alors je vous ai expliqué, il me semble, dans la vidéo précédente, hein, que si on traînait trop longtemps là-dedans, on tombait dans les pommes, et puis, du coup, bah, je vérifie quelque chose. D'accord, ok. Et du coup, on atterrissait directement, en fait, à la fin. Parce que, son, hop, voilà. Mais, bien entendu, là, en sortant, bah, j'ai réinitialisé la chose à zéro. Ah, bah, c'est toujours le cas, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que, bah, du coup, voilà, au niveau du temps, j'ai réinitialisé la chose à zéro. Voilà. Mais bon, pas d'inquiétude, au final, la carte est pas si compliquée que ça. En fait, j'avais des souvenirs par rapport à quand j'étais gosse, parce que quand j'étais gosse, je ne comprenais rien par rapport à ça. Et de toute façon, j'ai toujours eu un sens d'orientation digne d'une femme, voyez-vous. Non, j'ai non, plus sérieusement, non, c'était vraiment méchant. J'ai toujours un sens d'orientation vraiment minable, en fait. Donc, oui, c'est ce que ça impliquait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, bon, j'arrête. Donc, du coup, voilà. Alors, je sais que pourtant, la carte, au final... Ah ouais. D'accord. Non, je voulais remettre vite fait la carte, mais ok, on peut pas la mettre là. Bon. Et là? Ah ouais, d'accord, c'est parce qu'on peut qu'elle la mettre. Ah oui, bah pourtant j'ai essayé d'aller à droite tout le temps là. Bah écoutez, je me suis raté un peu, c'est pas grave, on fait des petits tours. Alors normalement par contre je suis censé pouvoir aller par là. Hein. Oui. Oui. Ok. Hop, on continue par là. Bon, j'espère du coup que je suis pas en train de me perdre. Surtout que ça c'est la partie simple, hein. Je vous rassure des glaciers. Ça c'est l'arbre, c'est ça. D'accord. Bon, et ben on va passer par le rondin de bois, pas de soucis. Bref, je vais juste vérifier si on peut faire un truc avec l'arme, mais ça m'étonnerait. Donc oui, là, le problème, c'est que c'est la partie simple hein, de la chose. Hein. Je vous rassure, après, ça va être encore plus compliqué. Ah, je déteste ce passage. Non, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Et ouais, mec. Stop glass. Bon, du coup, j'ai oublié de mettre le chrono. Bah, tant pis, c'est pas grave. Osef, dis donc, Osef. Ouais, c'est pas grave, allez, on va faire un chrono. Ok, c'est bon. Je fais un chrono dans ma tête. Bon, en plus, on a une XP, on est content. Ah oui, alors je vais vérifier si on pouvait faire quelque chose avec l'arme chou là. Là. Ok, on peut rien faire. Ouais, donc du coup, on va aller par là. Il me semble. Ouais, c'est parce que là on peut pas mettre la carte. On va bien voir où on va en ressortir. Ok. Donc là on sort avec un écran tout blanc. C'est parfait. Je ne sais plus où je suis. Ouais, je suis déjà perdu. Je vous rassure, j'ai déjà réussi à le faire sans tomber dans les pommes. Hop, non, j'ai mis Théo sur lui, ça sera parfait. Plus une petite contre-attaque. N'est-ce pas, madame? Voilà, parfait. Mais bon, c'est vrai que c'est franchement pas évident. Ouais, tu l'aimes celle-là, hein, tu l'aimes. Hein. Ah ouais, oh là, je suis trop fort pour vous, les gars. Je sais plus quel niveau je suis, tiens. Interrogation, je suis interrogation 40. Ok, c'est pas mal. Enfin, 40, 39, 38, d'accord. Je sais pas pourquoi il y a un si grand écart. Ah, si, oui. Le temple. Le temple. Alors, oh bah c'est bon, on est sur le bon chemin. Oui, ma foi, on est sur le bon chemin, oui, parfaitement, oui. Alors, donc, c'est par là, exactement. Attendez, parce que du coup, faut pas que je me perde. On va essayer d'aller plus vers le haut, là.
Donc genre par là, parce que j'ai peur que si j'aille à droite, ça me fasse faire encore un petit détour mini ridicule, mais bon, voilà, si je peux éviter de le faire. Allez, c'est parti. J'adore les glaciers. Avec cette petite ambiance, là, vous êtes perdu. Ouais, d'accord. Donc ça doit être par là. Bon. Pas très précise cette carte, on dirait qu'elle a été dessinée par un enfant, en fait. Si con que ça. Bonjour mademoiselle. Je préfère un bon souffle chaud. Non? Tant pis. Tu vas crever. Oui! Je crois qu'elle aime pas la concurrence, Tifa, on dirait. T'aimes pas la concurrence? Ah non, mais Tifa n'est pas de glace. Ok, j'ai l'impression qu'elle va contre-attaquer à chaque fois avec de la glace 2, c'est génial. Bon, lui par contre, ça lui fait mal. Voilà, c'est bien, vas-y. Acharne-toi sur Tifa, t'as raison. Parce que le pauvre Cid, il t'a rien fait en plus. C'est une honte. Ah oui, c'est ça, contre-attaque vraiment avec la glace 2, ok. Je ne savais pas. Bon, donc déjà, si tu vas éviter d'attaquer, tu vas plutôt voilà, faire un bon petit guerrier 2 sur tout le monde. Parce que la Clad aussi va être... Ah bah non, d'accord. C'est bien Clad, c'est un bon. Je t'aime Clad, je t'aime. Oui, alors du coup, est-ce que ça marche sur les femelles? Eh bien oui, ça marche sur les femelles. Et boum, dans ta gueule, Cid. Voilà. Bah, du coup, je crois que je me posais la question sur... hop, voilà, pour que ce soit plus clair. Je crois que je me posais la question sur l'autre épisode, bah j'ai ma réponse. Oh bah la prochaine fois je fuis, hein, si c'est pour se prendre que ça dans la gueule. Juste du coup, t'as quoi toi? T'as le bracelet? Oh d'accord, ouais parce que je t'avais acheté l'Organix. Ok, d'accord, bracelet éclair. Donc toi d'accord, toi ça fait demi. Et en plus, carrément anti-glace, d'accord. C'est bien, j'aime bien quand ils ont de la bonne résistance. Ça j'adore. Ouais, alors du coup, je sais pas vraiment où je suis, mais je pense qu'il faut aller tout droit là-bas. Parce que faudrait que si on remet la carte vite fait, là normalement je suis censé être, si vous voulez, au truc, si vous voyez l'espèce de croix rouge là, je suis censé être au petit truc à gauche de la croix rouge, voilà. Le chemin à gauche en fait, l'espèce de croix rouge, je sais pas trop quoi, je sais pas trop ce que c'est. Bon bah de toute façon on va voir, ouais donc du coup c'est par là, ok. Voilà, on continue. J'adore. En plus, c'est des combats tout le temps. Ça, je kiffe. Je kiffe. Ah, les petits loulous. Ça, ça en juste parce que vous donnez plus XP, vous. Allez, un petit guerrier 2 quand même. Même s'il n'est pas non plus en grande difficulté, le petit Cid, mais bon. On sait jamais. On ne sait jamais. Bah tiens, Tifa, t'as enfin atteint les 2000, bravo. C'est bien, Tifa. Très fier de toi. Mais oui, t'es belle, mais oui, t'es belle. Excuse-moi. Bon, sinon, alors oui, c'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire, mais du coup, j'espère que vous allez bien. Ah. Moi, personnellement, j'ai faim. j'ai un peu tout le temps faim en ce moment. Bam, 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 bam. Ah ouais, bon, d'abord les connards qui soignent. Et qui me foutent des coups en plus. Les mecs, je crois qu'ils sont pas au courant. Ils savent pas qui je suis en fait. Oula, oula là. Toi, t'as pas peur, toi. Hop, une petite dynamite dans votre tronche. C'est vrai que s'il combat tout le temps avec sa petite cigarette, hein. C'est. Ouais, cigarette un petit peu d'ailleurs limitée quand on regarde bien au final, hein, puisque. Bah, puisqu'il l'a tout le temps dans la bouche, quoi. La cigarette. Ah. Toujours, tu vois, voilà. C'est pour ça que je n'aime pas. Voilà, dégage. Parfait. Les gars, j'étais parti pour une petite limite là. Faites chier. Non, mais soyons clairs, vous faites chier. Bon, donc je crois que c'était par là. Enfin, mon personnage était tourné par là, donc ça devait être par là. Eh bien, ma foi, je crois que c'est de la neige partout. Il vaut mieux faire attention. Oui, je vais laisser un repère et commencer à marcher. Pourquoi tu fais cette voix-là, mec?
Pour laisser un repère, appuie sur la touche OK. D'accord. Donc voilà, alors là, voilà, là, donc je suis bien arrivé à destination en fait, hein, pour info. Ok, d'accord, c'est ça, ici, ça tourne. Sauf que le petit problème, c'est que là, on est dans le coin qui est un petit peu chiant. Alors, en fait, qui est un petit peu chiant, oui et non. Je vais vous expliquer ça. Alors, excusez-moi, je me concentre. Oh là là. Tifa. Non, c'est pas de sa faute, mais quand même. C'est vrai que sa limite, elle peut quand même faire hyper mal quand on regarde ce nombre successif de coups que tu peux faire. Assez impressionnant. Enfin, qu'on peut faire. Je te tutoie maintenant. Petit abonné que tu es. Non, alors. En fait, c'est pas si compliqué que ça, parce que normalement, voilà, il suffit vraiment d'aller tout droit. Donc là, voilà. Alors, en plus, ça, c'est la grotte que je cherchais, justement, ça m'intéresse. Après, par contre, quand je sortirai de la grotte, il faudra que je continue sur ce chemin-là. Hein, que je me gourre pas. Que je me gourasse pas. Ah, bah non, c'est pas celle-là que je cherchais. C'est pas celle-là que je cherchais. Ok. Bon, du coup, ça me fait une Matatu en plus. Est-ce qu'il y a de la place pour mettre une Matatu, les gars? Ouais, bah parfait. C'est quoi ça? Une comète en plus? Bah écoute, on va te mettre comète et tout. Alors là, ça va faire mal. J'avais carrément oublié qu'elle avait comète. Ok, donc du coup, ça c'est pas du tout la grotte que je cherchais. D'accord, donc il faut que je continue par là. Parce qu'en fait, voilà, normalement il faut juste continuer tout droit. C'est aussi simple que ça. Bon, après, voilà, avec le vent, on bouge un peu, etc. Mais bon, il suffit, voilà. Et par exemple, hop, mais il suffit de se remettre droit, c'est pas un souci. Cependant, en fait, dans cette vaste étendue, alors je sais plus si c'est cette vaste étendue là ou une autre, parce que normalement il y en a deux, il me semble, si je me trompe pas. Donc, dans cette vaste étendue ou une autre, je ne sais plus trop, il y a une grotte qui m'intéresse tout particulièrement. Mais il me semble que normalement on est censé quand même aller tout droit pour la voir. Donc si c'est pas celle qu'on vient de faire là, c'est que bah, ce sera l'autre étendue de neige. J'espère. J'espère fortement que je me gourre pas. Ouais, c'est vrai qu'ils sont chiants à toucher, ça y est, je me souviens. Et puis ils font mal en plus. Ils sont chiants et ils font mal. En plus, je crois qu'ils donnent pas beaucoup. C'est ça le pire. C'est ça le plus énervant. Ah non, ça va. Ça reste correct. Ok. Donc, il faut continuer par là. Voilà. Hop. Normalement, on est arrivé à destination. Ok, on peut pas mettre de carte. Bon, j'espère par contre que je me cours pas au niveau de la grotte. Ça me ferait un peu chier. Ouais, alors attendez, est-ce que je suis un peu perdu là? Est-ce que c'est vraiment par ici? Ouais, donc là on peut vraiment plus mettre de cartes. Donc c'est qu'on doit être au bon endroit. Je l'espère en tout cas. Voilà, alors c'est, voilà, c'est, je vais l'appeler l'épisode où je suis perdu. Non, je ne peux pas me permettre. Que des noms de Banal Fantasy. Oui, alors non, justement, j'avais besoin de toi pour soigner. Ah d'accord, ils ont vraiment pas de vie du tout. Ok, on va les finir alors. Parfait, Cloud, parfait. You're the best, Cloud. Best. Ok, alors du coup, bon, je vais en profiter pour soigner quand même. Mon petit seed, un guéri 2 sur tout le monde. Voilà, parfait. Ah, bon bah, mon petit seed, un petit guéri sur... ouais, bon, d'accord, c'est pas grave. Ouais, bon. Écoutez, on va voir où on est là, mais j'ai un gros doute. J'ai l'impression que je viens de me faire un peu niquer. Je vérifie un truc, pourquoi quand je fais. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Je croyais que j'étais arrivé à bon port, mais en fait, je me suis peut-être un peu trompé. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a là-dedans, tiens. Peut-être que je me gourre, en fait, c'est peut-être cette grotte-là. Ouais, c'est bon, c'est cette grotte-là. Partez. Soyez pas inquiets. Je ne vous veux aucun mal. D'accord. Donc ça y est, je me souviens en fait de ce petit passage. Je me souviens donc. En fait, c'est, il me semble, la bonne grotte. Si je me gourre pas. Par contre, il me faut une source d'eau chaude. Pam, pam. Et du coup, là, la carte, je crois qu'elle sert plus à rien parce que je suis vraiment pas du tout... oui, enfin j'espère qu'il y a une source d'eau chaude, j'ai l'impression de me faire niquer. En fait, on pouvait expliquer le truc. Et encore, je suis pas tout à fait sûr, je me gourre peut-être sur quelque chose parce que c'est peut-être pas elle qui me donne ça. Mais grosso modo, hop, parce que normalement ça devrait être tué en un coup.
En fait, ce que je cherchais à voir, c'est la matéria, enfin la matéria d'invocation, perdu, hein, ça, c'est pas la matéria d'invocation. Ok, enfoiré de merde. Hop, voilà. Alexander, voilà. Et en fait, du coup, je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, il y avait quelqu'un qui nous avait parlé d'une. Ok, bon, putain, tant mieux, c'est ce que. De ce moment, je voulais faire qu'attaquer, donc ça me va. Dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui nous parlait d'une femme gelée, qu'on pourrait réchauffer avec un. Avec une source d'eau chaude, il me semble, ou quelque chose comme ça, bref. Et il nous parlait d'une femme gelée. Et en fait, voilà, c'est une sorte de petit boss annexe, tranquillou. Normalement, c'est la personne à qui on vient juste de parler tout à l'heure. Et c'est elle qui est censée nous donner la matéria. Cependant, il faut que je trouve une source d'eau chaude. Et ça. Ouais, non, mais je crois que la carte en fait là est plus bonne parce qu'on est dans un autre coin. Celui auquel je pensais. Sauf que le problème c'est que la source d'eau chaude du coup là je sais pas où elle est. Et je suis tombé dans les pommes. Bon. J'ai dû me foirer quelque part. Hein. Il me semble qu'elle est là. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Le doute m'habite. Tu es réveillé? Tu es tombé du grand glacier. C'est un miracle que tu sois indemne. I am Cloud, dude. I'm Cloud. Je m'appelle Olzof. Je suis ici depuis 20 ans maintenant. Si tu as l'intention de partir vers le nord, tu devrais écouter mon histoire. Et si j'en ai rien à battre? Ah, par contre, tu me laisses pas passer du tout, quoi. Tu vois, au cas où il y aura un coffre. Bon, on va écouter son histoire. Pourquoi ne passerions-nous pas dans la pièce d'à côté pour nous asseoir? Ouais, d'accord. Ah, on peut carrément pas. D'accord. Ok. Je vais te casser la gueule. Tu as déjà entendu. Tu as déjà entendu parler de ceux qui ont défié la falaise? On va dire non, hein, parce que. C'est mieux, parce que vous n'êtes sans doute pas au courant et. Moi, j'en souviens plus. Selon une ancienne légende, il y a très longtemps, quelque chose est tombé ici du ciel. C'est ce qui aurait surélevé la terre et créé cette falaise. Il y a 30 ans, Yamski et moi avons escaladé cette falaise pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais nous n'étions pas préparés. Nous nous attendions à ce qu'il fasse froid, mais à ce moment-là, vous êtes réchauffés. Vos deux corps nus, sous la chaleur. Un vent glacial souffle sans relâche sur la falaise. Cet air froid fait chuter la température du corps. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est fou. Yamski, qui se trouvait au-dessus de moi. Hey, petit coquillou. Excusez-moi. Elle lui a même coupé la corde qui le retenait. Et je n'ai rien vu. Je réfléchis juste à un truc, c'est qu'il était au-dessus de lui. Ah, il doit y avoir un défaut de traduction parce qu'il devait plutôt être en dessous. Parce que si il coupe la corde et qu'il est au-dessus, bah tu tombes avec. Ou alors j'ai très mal lu, en fait c'était écrit en dessous. Ouais, il y a un truc. Je regardais ma vidéo, mais il y a un truc. Soit c'est un défaut de traduction, soit c'est moi qui comprends rien, soit c'est moi qui ai mal lu. Et je n'ai rien vu. Bref, son pote est mort, quoi. C'est trop triste. Depuis, je me suis installé ici, je continue à défier la falaise et je surveille et aide les grimpeurs. Pour escalader la falaise, tu dois prendre deux précautions. Premièrement, vérifie ton itinéraire. Il est dur à déterminer en raison de la neige. Deuxièmement, lorsque tu atteins une corniche, profites-en pour te réchauffer. D'accord, ok, confirmer l'itinéraire, changer, appuyer plusieurs fois sa touche pour augmenter la température du corps. D'accord, et vous allez voir. C'est... Enfin, je vais peut-être pas le faire maintenant parce que du coup, je vais quand même essayer de chercher la matéria. Si je peux faire la dame déjà. Lorsque tu atteins une corniche, profites-en pour te réchauffer. Oui, bon, ça j'ai déjà dit. Compris ? Oui. Tu as dû utiliser beaucoup d'énergie pour grimper là-haut. Tu ferais mieux de te reposer avant de partir. D'accord, oui. Ça m'arrange parce que c'est vrai qu'au niveau MP de Sid notamment, j'étais un peu dans la merde. Enfin, pas dans la merde, mais bon, voilà. Après, j'ai toujours des objets, des tentes, pas de soucis. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit point de sauvegarde aussi. Bon, je vous rassure, on peut aussi retourner en arrière, hein, il me semble. Donc, du coup, voilà, si on a raté quelque chose. Et c'est sûrement ce qu'on va faire. J'aime bien garder le passé de Claude, je vais me faire un petit Wutai. Voilà. Falaise de Gaï. Excusez-moi, je. Voilà. Gaïa Abrost. Gaïa, c'est un petit clin d'œil à une certaine arme de FF, hein, récurrente. Gaïa Bog. Excusez-moi, je pète un plomb. Ok, alors. Ils ont l'air d'avoir un peu tous froid. Tu sais à quoi je pensais? À quoi? Quand on voit un roi comme celui-là, on se rend compte à quel point la nature est impressionnante. Si quelqu'un ne m'avait pas demandé de vivre ici, je l'aurais envoyé promener.
Mais laisse-moi te dire que si j'avais dû vivre ici, j'aurais amélioré pas mal de choses. Je crois que l'opposé serait Midgard. Vu sous cet angle, la Shinra a du bon parfois. Mais qu'est-ce que je dis, la Shinra, du bon? Je pète un plomb. Là. Nous allons baliser la route, tu monteras plus tard. Ok, d'accord. Alors, donc attendez, ici c'est Nomen, où exactement? D'accord. Alors pour info, si je peux aussi retomber dans les pommes, hein, je précise quand même. Alors ce que ça fait en allant tout droit. Voilà, je veux dire, si là encore une fois je reste trop longtemps dans la neige, je retombe dans les pommes et en fait je retombe là où j'étais il y a 2 secondes. Quoi. Pouh, dans ta gueule! Pauvre Tifa en plus. Pauvre Tifa. Bon, après, je vois que, à mon avis, je vais avoir du mal à la trouver parce que généralement quand je... Oh là là, ouais, normalement c'est par là. Si je me souviens bien, généralement quand je la trouvais à chaque fois, c'était vraiment un gros coup de bol quoi. Donc, ouais, il me semble bien que c'est en effet la dame de tout à l'heure. Enfin, la dame ou le mec, parce qu'au final, on n'a pas trouvé. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah écoutez Alexander, je vais peut-être m'abstenir de le faire. Ah ouais, bah d'accord, c'est ça, je m'étais carrément foiré en fait. D'accord, donc en fait normalement, là à partir de la grotte, on voit l'entrée de la grotte, il faut aller au sud. Pour aller là où on est censé aller, pour revenir en fait là où on était. Ok, donc moi en fait je vais continuer par là, puisque du coup, je pense que j'étais sur le bon chemin par rapport à la... À Metal Alexander. Donc normalement je vais retrouver la grotte avec la... Excusez-moi pour le micro. Avec le petit monsieur ou la petite dame, je n'ai jamais vraiment su ce que c'était, bref. Mais par contre à côté il va falloir que je trouve une source chaude. Ça va être moins évident. Parce que ça se voit pas sur le plan en fait. Donc on va voir ça. Ou ça se voit sur le plan mais on comprend rien donc bon je... Ah, c'est une autre possibilité, ah ouais, c'est une autre possibilité, ouais. Alors, hop là, donc on continue par là. Normalement, on a un autre chemin, voilà, parfait. Il y a quelque chose là-dedans? Non, d'accord, ok, je vérifiais. Bon, là, ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pas tomber dans les pommes tout de suite, hein, puisque je viens juste d'y retourner. Voilà, d'accord, hop, c'est pareil, ici, y a rien, on continue. Alors, excusez-moi pour tous les combats, hein. Bon, encore une fois, je ne les fuis pas. De toute façon, honnêtement, je pense que limite, je mettrai plus de temps à fuir qu'à les faire, hein. Parce qu'au final, ces monstres-là, ils crèvent en 2 coups, quoi, donc c'est pas non plus... Ah bah, j'ai bien fait de... T'es attaqué 2 fois sur le même, je me doutais qu'il allait faire une connerie comme ça. Je me suis dit, ce mec-là, c'est un connard. Bam, 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 bam. Ah, dis donc, les gars, à un moment, vous arrêtez d'attaquer Je propose, hein, je demande. Bon, c'est notre XP, donc on va pas dire non non plus, quoi. Ça va... restons sérieux. Excusez-moi. Bon. Donc déjà, j'ai retenu par où normalement faut aller pour revenir à la baraque. Oh ouais, super HP, Tifol, ouais. Bah normalement, si, ça devrait pas tarder non plus. Putain, ça fait du bien les super HP, je vous jure. Super magie, super... Ah oui, d'accord. Ouais, ça devrait pas tarder non plus, ça c'est bien ça. C'est vraiment super efficace. Généralement, moi j'en mettais 2, je préférais. Bon, donc la grotte elle est ici, ok. Mais sur la carte, du coup, on voit vraiment pas où aller quoi. Ça... Moi, les sources chaudes, je crois savoir où c'est. Je pense savoir où sont les sources chaudes. Et du coup, peut-être que la grotte. Ouais, bon. Ok, on va se repérer comme ça. Ça va pas être évident, mais ok. Voilà, et puis alors c'est long. Je suis désolé pour cet épisode qui est chiant au final. Non, voilà, c'est vrai que le glacier c'est tout un passage. En fait, je vous rassure parce que j'avais dit qu'après ça serait encore pire, mais non, j'ai confondu. En fait, c'est juste là où c'est pire. Parce qu'après, il n'y a pas de souci. En fait, on. Enfin, je vais pas spoiler, vous allez voir, mais c'est plus simple. Mais disons par rapport au chemin, on le voit quoi. Voilà. C'est un peu moins long aussi dans l'ensemble. Hein.
Enfin bon, là c'est aussi moi qui insiste un peu, hein, je précise quand même, je veux absolument la materia, donc du coup voilà, j'essaie de foncer un peu. Enfin le pire c'est que je veux absolument la materia, mais au final je m'en servirai peut-être pas. Il y a de fortes chances que je m'en serve pas. C'est juste que j'aime bien collectionner les objets. Voilà, je suis un petit collectionneur. Voilà, par contre normalement, par rapport à la durée de l'épisode, je suis censé arrêter dans presque 10 minutes à peine. Donc ça c'est un peu chiant parce que j'ai un gros doute sur le fait que j'y arrive en 10 minutes. Voilà, il va falloir que je commence vraiment à faire les combats. C'est une autre solution. Alors, ouais, par exemple, ça, on est censé être où là-dedans? Aucune idée. Honnêtement. Aucune idée, mais cependant... Au final, je sais peut-être pas où aller. Excusez-moi. Mec, il imite les chats. Ça y est, il pète un plomb. Alors, hop, on va continuer par là. Et si c'est bien par là où je pense, c'est parfait. Ça va me conduire directement sur ce chaude et je vais pouvoir directement avoir cette foutue materia. Et après on va pouvoir remonter et tomber dans les pommes parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Tiens, si du coup, voilà, on perd un peu de temps, certes, mais Claude est en mauvaise posture. Pouah ! Ah, c'était juste une contre-attaque, ça c'est bien Claude, t'es un bon Claude. Bien d'apprendre Regen un jour, comme tu dis. Quand j'étais gosse, moi j'ai appelé ça Regen. Regen. Ah, le plaisir du Regen. Fallait pas attaquer Sid, mec. Fallait pas. D'ailleurs, en parlant du plaisir du Regen, je vais juste voir à combien j'en suis sur la magie guerrière. Parce que normalement, c'est pareil, il devrait plus tarder, lui, il me semble. Est-il pas? Mon ami, alors animé temps, destruction, d'accord, ouais, c'est vrai que j'ai eu plein de matériaux pour rien. Ah oui, non, quand même, d'accord. Putain, je me souviens plus que c'était aussi long pour le régène. Bon, donc, me suis-je trompé ou ne... Ah, parfait, voilà, c'est cool. Ouais, alors normalement on peut mettre nos mains dedans, hein. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va trouver le moyen de mettre nos petites mimines dedans. Ah, voilà. C'est sans droit qu'il ne soit pas gelé. En plus, du coup, ouais, voilà. Source thermale. Plop, 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 plop. Du coup, c'est bien parce qu'en plus, ça nous empêche de tomber dans les pommes directement. Donc, du coup, là, normalement, je suis censé me grouiller hein, de retourner en haut parce que sinon, sinon je regèle entre deux. Hop là, c'est reparti. Allez. On y va, voilà, c'est reparti mon kiki. Bon, je vous rassure, je crois que les combats ne font pas vraiment perdre de temps par rapport à ça, il me semble. Et vas-y, t'y es presque, vas-y Cloud. Oui, bah continue enculé. Je commence à me dire, oula, mec, y'a un bug. Ouais, pff, ouais, allez. Non, j'allais dire sinon, au pire, on va les fuir pour être sûr du coup, mais. C'est de la contre-attaque, Cloud. Voilà, montre-leur quitter. Ça sert à rien de faire ton guerrier 3, mec, tu vas quand même crever, hein, je te rassure. Ah putain, c'était pas une contre-attaque. Cloud, t'es une merde. Enfoiré. Voilà, il va faire son guerrier 3. Ah d'accord, donc à chaque fois en fait il faut une première contre-attaque en guerrier 3. Bon, comme ça je le saurai. Voilà, il va faire son guerrier 3, ok. Allez, fais pas chier. Ah c'est bon, elle est déjà folle, hein. C'est pas la peine de lui remettre dans la gueule. D'ailleurs, faut arrêter de mettre Griffol, les gars, parce que ça va aller encore plus vite pour vous tuer, hein. Faut être conscient. Non, c'est vrai que je pourrais balancer des gommettes ou des trucs comme ça pour les tuer encore plus vite. Oh, putain, Sid. Sid, tu me fais bander. Je sais pas si t'es au courant, mais... Ok, d'accord, c'est parfait. C'est bien. Bon, allez, on se grouille, parce que sinon... Hop. Je crois que ça précise quand même quand les effets de la chaleur ont disparu, il me semble. Mais bon, plus vite on ira, mieux ce sera. Boum, boum. Ah oui, d'accord. Pas mal ce que je viens de faire là. Ok. Alors attendez, on le refait.
Donc là, personnellement, j'ai rien compris, hein. Je précise quand même, je sais pas du tout ce qui vient de se passer. Je comprends pas pourquoi ça m'a remis là. Non, là, par contre, je vais commencer à fuir parce que ça devient chiant. Mais non, j'ai pas tout pigé là. Voilà, merci. J'ai promis de pas fuir, mais bon, là, faudrait quand même que c'est un peu long. Par contre, oui, non, pourquoi en plus, c'est bizarre parce que les mecs, je suis quand même sorti de là, je suis rentré par là-haut. Bah, vous foutez pas de ma gueule, quoi, je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de déconner, 30 secondes. Allez vous faire foutre. Non, c'est. Voilà, je peux vous tuer en deux coups, c'est vrai, mais non, pas envie. Voilà. Hop, je te fous un coup, je me casse. Bon, est-ce qu'il y a moyen que t'arrêtes de déconner 30 secondes, Cloud? Mais c'est pas vrai, ça. Ouais, alors attendez, on va essayer, mais j'ai l'impression qu'on va encore se faire un petit peu avoir. Parce que normalement, en fait, je crois que c'est censé être tourné, mais de l'autre côté, le chemin. Oh là là, ça m'énerve. Ah, non, parce que parfois, en fait, ça prend 3 heures à fuir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas le bruit de la fuite, hein. Bon, je comprends rien. Je sais pas pourquoi. Ouais, bon, bah, pff, ok. Bon, en fait, voilà, on a un problème. On a la source chaude, ça c'est bon. On a le. La. Voilà, la cabane dans le jardin, là. Mais je comprends pas pourquoi il veut pas. Quand on remonte sur la carte, ça nous remet là à chaque fois. Je sens que le jeu est un peu bugué. Région du glaçon. C'était ça. Ah, non, fais faire une connerie, ouais. Bah écoutez, Psyami, ce que je vais faire, c'est que on va s'arrêter là, parce que je crois qu'au niveau de du time, c'est plutôt pas mal. Et puis, de toute façon, je veux absolument essayer d'avoir cette mata. Alors, je sais pas trop si je vais le faire en off ou pas, du coup. En fait, le problème, c'est que c'est le temps qui va me manquer. Parce que si vous voulez, là, en fait, je vais faire un deuxième épisode directement à la suite. De là, en ce moment, où je suis en train de le tourner. Donc, je pense que je vais réessayer une fois. Et si ça veut vraiment pas passer, bah tant pis, je laisserai tomber quoi. On peut pas se reposer par contre. Ah si, ça je me souviens, je crois qu'il faut lui parler pour se reposer. Où est-ce qu'elle est cette falaise? Oui d'accord, la température de ton corps, ouais, ok. Tu te reposes un peu, voilà. C'est ça, parce que du coup ça me range quand même. Donc bon, je pense que ce qu'on va faire, donc... Je vais m'arrêter là, moi de toute façon je vais tourner un deuxième épisode directement là à la suite. Et bah écoutez, on va réessayer vite fait dans le deuxième épisode, de toute façon bon c'est pas non plus hyper long. Surtout qu'on tombe dans les pommes au bout de 15 minutes à première vue. Et si ça marche, bah tant mieux, et sinon au pire bah, je laisserai tomber, je continuerai à avancer quoi, je vais pas non plus vous faire subir ça. C'est un peu con. Au pire bon, pour ceux par exemple qui regardent ça pour faire un petit cheminement dans FF7, voilà, vous avez compris le truc, hein. En fait il y a voilà, il y a la grotte, faut aller où il y a le monsieur ou la madame, je vais pas très... normalement c'est une madame mais on reconnaît pas trop le sexe des persos avec la gueule qu'ils ont. Et donc normalement faut aller à la source chaude pour réchauffer la personne, en fait après faut juste lui reparler. Et ça engage un petit combat qui nous file Alexander juste après. Bon, je vais essayer de le refaire au prochain épisode. Et puis, bah écoutez, de toute façon, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.